www.tracidoute.org. Ça, c'est tout à fait notre devoir maintenant. À notre époque, surtout dans Shlach HaKel, comme le rabbi y parle, il faut qu'on commence à prendre Alevis. Il faut qu'on arrive à rentrer au Cheder et commencer à prendre Alevis, même pas à lire. Lire, c'est déjà un niveau. Au moins qu'on saura l'Alevis de Chsidus. L'Alevis de Chsidus, c'est le Inyen, comme le rabbi a dit plusieurs fois, quand il y en a Ave, il y en a Brocht. Quand il y en a Ave Sussol, il y en a la Brocha de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire Ave Sussol? Ave Sussol, ça veut dire c'est donné pour un autre juif. Et pas seulement penser sur soi-même, toujours soi-même, soi-même. C'est vraiment, c'est un grand rachmanout quand quelqu'un qui pense qu'il ne doit pas céder pour un autre juif. Quand c'est d'avoir le privé d'aller chez le Rebbe, sinon là il est plus chassid, là il devient un égoïste, et tout ça, c'est pas ça l'idée de Chsidus. C'est le inyan de laisser soi-même pour un autre juif. Il doit être avec sa propre volonté. Il doit savoir qu'il doit céder pour un autre juif. Et quand Chas v'Sholom ne pense pas à ça, qu'il doit céder pour un autre juif, c'est un très grand rachmanout sur lui. Ça peut être le plus grand chassid, le plus grand maskil, le plus grand eved. Le inyan de Ave Yisrael, c'est d'être gravé dans notre tête, dans notre cœur, dans la tête de nos enfants. Il ne faut pas penser que le chinour, c'est quelque chose qu'on arrache un peu un fruit de l'arbre. Un chinour qu'il faut donner aux enfants. Et un enfant, quand il voit qu'est-ce que les parents ils parlent, comment les parents ils se comportent, quels mots eux ils parlent, quel chinour ils ont, quel messieurs snapes ils ont, eux aussi ils m'en valent. Et quand Chas v'Sholom, on parle à la maison, on fait pour le Rebbe, on fait pour le Rebbe, tout ce qu'il faut. Mais quand, plus que quand on fait pour le Rebbe, tant que ça ne touche pas le propre Yesh. Et quand ça rentre, donc peut-être faire un effort pour un autre juif, ça ne s'existe pas déjà. Dans ce cas-là, ça ne vaut rien, ni le voyage chez le Rebbe, ni le retour du Rebbe. Tout ça, c'est des blagues. Parce que quand il y en a pas l'Alevis, quand on ne sait pas, ça veut dire que c'est donné pour un autre juif. Et quoi donner? Pas seulement donner d'argent, et pas seulement donner, mais donner Ruchnis, donner pour un autre juif. Tu dois faire un effort pour donner Teignonim Ruchnim pour un autre juif. Là, c'est l'île de David Israël, là, c'est l'île de M. Ruchnis. Et quand Rabbi Levi est parti en prison, il a donné plusieurs dénigles, des heures de Chsidus, et son service pour Dieu, il a tout laissé de côté, et il s'est mis en danger, on l'a mis en prison, pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie pour Teromitz, c'est tout. Il aurait pu dire non, je dois étudier maintenant, maintenant je dois faire ça, c'est pas ça les hymnes. Les hymnes, ni les messieurs, ça veut dire on se donne entièrement pour un autre juif.